Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, dans Le poids des mots, le choc des photos, nous allons feuilleter ensemble le grand, grand livre du Sénégal, explorer des promesses présidentielles et plonger dans une crise de connexion Internet, bien sûr. Commençons par un petit cours d'histoire récente. Monsieur Macky Sall, un élève appliqué du grand, grand livre, devient président en 2012 pour un mandat de 7 ans, puis rempile en 2019 pour ce qui devrait être son dernier tour de piste selon le nouveau format de 5 ans. Mais voilà que le vent de l'ambition souffle sur les pages de notre histoire. Aux alentours de 2022, des rumeurs bruissent comme des feuilles au vent. Macky voudrait se tailler une troisième étoile sur le maillot présidentiel. Honhon, dit-il, jurant qu'il ne touchera pas au grand, grand livre. Mais, coup de théâtre, le 3 février, à peine le sifflet des campagnes retentit, notre président joue les prolongations, changeant la date du grand match électoral au 15 décembre. Pendant ce temps, le peuple sénégalais, privé de sa toile de communication, doit désormais payer une fortune pour dire bonjour sur WhatsApp ou liker sur TikTok, devenu aussi inaccessible que la transparence politique. Deux fois seulement dans l'histoire, le jour de vote a joué à cache-cache. Et qui dit mieux, c'est notre Macky, qui malgré une promesse de départ laisse planer le doute sur un tour de magie pour un troisième acte. Voilà, comme on dit, l'avenir nous dira si le grand, grand livre résiste aux tentatives de réécriture. Mais une chose est sûre, les Sénégalais semblent prêts à écrire leur propre chapitre avec ou sans Macky à la plume. C'est tout pour ce soir. Restez connectés pour le prochain épisode de Le poids des mots, le choc des photos. Et n'oubliez pas, même quand Internet est coupé, la parole reste libre. Bonne soirée.